monde entier ne parle que de ça. Et apparemment, Trump est un monstre pour l'establishment et les médias. Mais est-ce que les médias nous aident à comprendre ce qui se passe vraiment et le pourquoi? Quand on regarde Libération, on nous dit Obama, un bilan largement positif. Mais comment c'est possible de dire ça? Il y a 50 millions de gens aux États-Unis, dans le pays le plus riche du monde, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a des gens qui ont un boulot et qui sont quand même ce qu'on appelle des working poor, des travailleurs pauvres. Pendant ce temps-là, les fortunes dans le monde ont explosé. 8 personnes, dont 5 États-Unis, possèdent autant que la moitié de l'humanité. Et le bilan d'Obama, c'est aussi 7 guerres qu'il a menées un peu partout, des coups d'État dont on ne parle presque pas. Il avait fait un grand discours magnifique aux Arabes, ça va être mieux pour les Palestiniens, etc. Mais on n'a rien vu venir. Donc comment est-ce qu'un média comme Libé peut dire que le bilan d'Obama est positif, je veux dire pour les gens? Et pour nous faire le contraste, on a le même Libé qui titre Cauchemar avec Trump. Bon, c'est clair que Trump, c'est un gouvernement de milliardaires, c'est un milliardaire. C'est clair qu'il ne va pas aider les gens, qu'il ne va pas les sortir de leur pauvreté, de leur désespoir. C'est clair que les gens aux États-Unis ont voté à cause de ça, à cause du désespoir, des années de politique qui enrichissent les riches et les autres ont de plus en plus de mal à terminer leur fin de mois. L'Obamacare est un échec, le crédit est absolument catastrophique, les gens sont endettés. Mais c'est la même politique menée par Obama que les États européens veulent copier maintenant. On n'arrête pas de nous dire que ça c'est le modèle, qu'il faut la compétitivité, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les profits des riches et que ça va faire du bien aux autres. Donc les médias ne mettent absolument pas en question les véritables causes dont eux-mêmes sont responsables pour avoir vanté cette politique, les véritables causes pour lesquelles Trump a été élu. Ce qu'on a aussi de très frappant, encore Libé, c'est Trump fustigeant les fausses informations des médias. Alors, évidemment, on a dit Trump, il a fait sa campagne en mentant. Oui. Mais ils sont tous en train de mentir. Hillary Clinton, Obama ont basé toute leur guerre, toute leur politique internationale sur des mensonges. Et quand vous regardez ce que WikiLeaks a révélé sur base de documents venant d'officiels, de responsables des États-Unis eux-mêmes, on voit dans WikiLeaks que toute la politique depuis 8 ans et avant était basée sur des mensonges. Même c'est curieux que les médias font silence là-dessus. Et après, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que Trump est venu dire qu'au fond, on n'aurait pas dû faire la guerre contre l'Irak, ni contre l'Afghanistan, ni contre la Libye, ni contre la Yougoslavie, ni contre la Syrie. Alors ça, pour moi, je me réjouis au moins d'un point, c'est que ça ouvre le débat. Il se base sur WikiLeaks, sur Julian Assange, et il dit que ce n'était pas des guerres justes. Pourquoi est-ce qu'il y a zéro débat dans les médias sur cette chose-là? Alors, on a aussi le thème que Trump est imprévisible dans le monde, le style imprévisible du président, du PDG, pardon, des États-Unis. Évidemment, une campagne électorale, ça on a quand même compris maintenant, c'est des promesses et ils ne comptent pas les tenir. Ils le font tous. Je voudrais rappeler que tous les présidents des États-Unis ont, dans leur campagne, promis la paix. Et tous ont commis tellement de guerres illégales et tellement de crimes que, selon Noam Chomsky, si on appliquait les principes de la justice internationale de Nuremberg, ils seraient tous en prison. Je dois rappeler que George W. Bush avait fait sa campagne électorale en disant que Clinton, le président précédent, avait fait trop de guerres et qu'il fallait que les États-Unis soient beaucoup plus calmes. Bush, en campagne électorale. Obama avait reçu, avant de commencer, le prix Nobel de la paix. Il avait promis, on va sortir d'Irak, on va sortir d'Afghanistan, on va fermer Guantanamo. Il n'en est rien venu. Il avait fait, comme je l'ai dit, ce magnifique discours pour les Arabes. On n'en a rien vu. Et à la place, ils se sont appuyés sur Al-Qaïda, sur Al-Nusra, ils ont utilisé Daesh systématiquement, c'est des documents officiels des États-Unis qui le disent, ils ont utilisé Daesh
pour, excusez-moi, foutre le bordel dans le monde arabe et garder leur position dominante. Donc, à parler de promesses, ok, mais qu'on nous parle non seulement de Trump, mais de tous les autres. Alors, au lieu de nous expliquer la différence entre Trump et les autres, on a ici un petit extrait. Avec outrance, un projet isolationniste contre la candidate démocrate Hillary Clinton et devenir président des États-Unis. Isolationniste contre la démocrate Hillary Clinton. Il est quoi celle-là? Ça veut dire quoi isolationniste et qu'était Hillary Clinton? Ben, je m'excuse, mais Hillary Clinton, elle était en train de nous envoyer vers la Troisième Guerre mondiale. À force de provoquer la Russie, de les encercler, d'essayer de faire tout exploser au Moyen-Orient, de menacer la Chine, bien on était parti pour un très grand danger de conflit mondial. Alors, ça n'est absolument pas mis en question. Hillary Clinton, apparemment, c'était la belle candidate. Moi, je dis qu'en réalité, il n'y avait aucun bon candidat. Le système des États-Unis n'est pas démocratique. Et vous aviez le choix entre un milliardaire qui a construit sa fortune en escroquant les gens et une millionnaire, disons, mais qui avait tout l'argent des banques et de Goldman Sachs derrière elle. Donc, on ne peut pas faire Trump le mauvais, Hillary Clinton la bonne. Et on ne peut pas non plus, comme le fait le monde, parler du monde bipolaire de Donald Trump entre ceux qu'il juge hostiles aux États-Unis et à son économie, Chine, Mexique, européenne, et les autres, qu'ils seraient ses amis, la Russie et Israël. Le monde bipolaire, mais je m'excuse, mais dans les médias, depuis des années, on n'a que ça. Les États-Unis et les Européens sont les gentils, les Russes, les Chinois, les Vénézuéliens, les Palestiniens, tout ça, qui ne nous obéissent pas, sont les méchants. On est depuis des années dans le western des méchants et des gentils. Et donc, je crois qu'on devrait avoir dans l'information quelque chose, une réflexion beaucoup plus profonde sur le fait que qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Et en fait, l'élite est divisée. Ils sont en déclin économique, ils sont en déclin politique, ils ont des problèmes militaires, et donc il y a différentes options, et ils ne savent pas comment faire pour rester le numéro un mondial et empêcher l'apparition d'un monde multipolaire plus équilibré. Je vais donner un exemple. En Syrie, on a eu des groupes terroristes soutenus par le Pentagone qui tiraient sur des groupes terroristes soutenus par la CIA. Donc, quand ils en arrivent à ce point-là, c'est que vraiment, ils ne savent plus très bien quoi faire. Ce qui, quelque part, est une bonne nouvelle, mais en même temps, une mauvaise nouvelle aussi, parce qu'une superpuissance aux abois comme ça devient très dangereuse. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit réfléchir. On ne trouve rien dans les médias sur le fait qu'ils sont divisés. Obama, Clinton, ils ont appliqué beaucoup la stratégie de Brzezinski, un stratège dont je vous ai déjà souvent parlé. Et Brzezinski développe l'idée que les États-Unis doivent empêcher les rivaux de s'unir, doivent diviser et doivent être particulièrement agressifs envers la Russie et la Chine. Il y a un autre stratège aux États-Unis qui s'appelle Kissinger, qui est tout aussi dégueulasse que Brzezinski, mais qui lui dit que ce serait plus malin d'essayer de mettre la Russie du côté des États-Unis contre la Chine. Est-ce que Poutine va se faire coincer dans cette chose-là? C'est une autre question. Mais je pense que ça montre que l'élite, j'insiste, l'élite des États-Unis est divisée. Et en fait, ça va plus loin que cette question de Kissinger ou de Brzezinski. Trump, il a une vision qui est inspirée par un professeur des États-Unis qui s'appelait Chalmers Johnson, qui est mort il y a quelques années. Il avait été analyste pour la CIA. Et il a publié un livre avant le 11 septembre 2001. Il a publié un livre dans lequel il disait « Moi, je votais pour Reagan, j'étais pour l'Empire des États-Unis, mais maintenant je constate que l'impérialisme des États-Unis, ça nous coûte trop cher et ça met notre pays en danger. » Il disait, on fait la guerre partout, on fait des assassinats, on fait des coups d'État, on fait des sales coups partout dans le tiers-monde. Et évidemment, on ramasse ce qu'il appelait en anglais, c'était le titre de son bouquin, « blowback », donc le coup du boomerang. Les gens se tournent contre nous, tout le monde déteste les États-Unis et nous, aux États-Unis, on ne comprend pas pourquoi. Et donc, il disait, il faut changer la politique. Il faut en fait, parce que cette politique impérialiste, un, elle coûte très cher, donc on est détesté, donc c'est de l'argent qu'on ne peut pas mettre dans l'économie qui va de plus en plus mal, et on voit ça comment l'industrie aux États-Unis a été détruite. Et puis, disait-il aussi, c'est une politique qui est entièrement basée sur le mensonge, on doit cacher aux citoyens des États-Unis ce qu'on fait et pourquoi, et donc toute la démocratie aux États-Unis, le peu qu'il y en avait, est en train de ficher le camp. Donc Chalmers avait comme stratégie
de dire si on veut sauver les États-Unis, il faut abandonner l'impérialisme, il faut cesser d'être les maîtres du monde, il faut renforcer notre politique à l'intérieur. Alors ça, pour moi, c'est la vraie interrogation. En quelques minutes, je ne peux pas la creuser, mais c'est quelque chose qu'InvestiAction va travailler pendant les mois et les années qui viennent. Et on doit bien réfléchir. On a ici un édito du Soir de Belgique qui dit « Trump, le nouvel homme le plus puissant du monde ». Je ne suis pas d'accord. Je pense que le président des États-Unis, quelque part, c'est un employé, il ne fait pas ce qu'il veut. Et ce n'est pas un homme qui est le plus puissant du monde, c'est une élite aux États-Unis, ce sont quelques dirigeants, gros actionnaires de multinationales, des gens dans l'establishment, dans les services, dans les médias aussi. Et on voit déjà maintenant, quand Trump a sorti, ce n'était pas le candidat de l'establishment, il a sorti des choses, il s'est rendu compte qu'il fallait mentir, qu'il fallait critiquer l'establishment si on voulait avoir une chance d'être élu, et donc il était jugé beaucoup moins fiable que Hillary Clinton. Maintenant, il est là. Et on voit qu'il y a tout un travail d'encerclement pour le ramener dans le droit chemin. Trump a déjà dit qu'il allait augmenter le budget militaire, donc ce n'est pas vraiment un homme qui va nous amener vers la paix. Et il est clair qu'il va être sous la pression des multinationales, ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, les fabricants d'armement, et évidemment que ces gens-là doivent continuer à vendre et donc à faire la guerre. Je pense que l'élite des États-Unis est profondément divisée. Comme je le disais, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est une période dangereuse, mais de toute façon, je pense que notre attitude, notre solution à nous, ça n'est pas d'attendre un bon ou un moins bon ou un meilleur président des États-Unis. De toute façon, ce n'est pas lui qui décide, c'est l'élite des États-Unis et ils sont sensibles qu'à une chose, c'est la pression de la base, la pression des gens, la pression des peuples dans le monde entier. Et la chose, à mon avis, qu'il faut faire si on veut sauver la paix et un monde qui sera moins avec ce gendarme des États-Unis, c'est de recréer un mouvement anti-guerre, de dire tout de suite à M. Trump et aux gens qui sont derrière lui qu'on n'acceptera pas les guerres des États-Unis et qu'on va se battre pour ça, et que ça commence par la bataille pour une info correcte.